Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme à chaque fois, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et aussi d'activer la petite cloche. Et donc aujourd'hui je voulais vous faire un petit haul d'été car je suis allée à Jennifer, H&M et Kiabi, et j'ai trouvé quand même pas mal de choses super chouettes. Donc du coup bah je vous montre ça juste après. Donc on va commencer par Kiabi car il n'y a pas beaucoup de choses. Alors pour commencer, je me suis pris un bob en jean. Alors franchement il est trop beau et je crois qu'il a coûté 7 ou 8 euros, mais je suis plus sûre. Ensuite je me suis pris un short en jean avec un côté bleu clair et un côté bleu foncé. Alors franchement il est trop beau, donc je suis trop contente. Et c'est du 36, il a coûté 15 euros. Donc voilà, franchement il est trop beau. Et après je me suis pris un gilet gris. Alors je me suis aussi pris bah, le même mais en noir. Mais comme je l'ai déjà porté, bah, il n'est plus dans le sac. Donc voilà, il a un... Bref, il a ça. Et franchement il est trop bien car il est super léger. Donc trop cool. Donc c'est du S et il a coûté 15 euros. Donc voilà pour Kiabi. Donc on continue avec H&M, mais avant je voulais vous montrer des claquettes Fila que je me suis prise à Chaussea. Alors pile dans les couleurs que j'aime car elles sont bah, mauve et rose, donc trop contente. Du coup c'est du 38 et elles ont coûté 20 euros. Et comme on part en vacances en Espagne, bah elles seront bien utiles. Ensuite pour H&M, je me suis pris un bob noir en jean toujours. Alors cette fois-ci c'est du ML et il a coûté 10 euros. Donc voilà. Et pour finir, je me suis pris deux jupes. Donc une couleur, je sais pas, vert d'eau je dirais. Je sais pas trop. Franchement j'adore la couleur. Et une noire. Je sais pas y arriver hein. Donc du coup une noire. Donc du coup elles ont coûté 15 euros et c'est du 12-14 ans. Donc voilà pour H&M. Et on finit par Jennifer. Alors pour commencer, je me suis pris un bob violet. Attends, j'enlève le sac, il me saoule. Du coup je me suis pris un bob violet en matière éponge pour la piscine ou la plage. Ça c'est super pratique. Donc du coup on l'a eu en promo. On l'a eu je crois à 6 euros au lieu de 10. Donc vraiment pas cher. Ah non, 5. Donc voilà. Après je me suis pris un haut de maillot de bain bleu. Alors franchement j'aime trop. Donc si on veut on peut enlever les bretelles pour faire un maillot de bain sans bretelles. Donc du coup c'est du S et il a coûté 10 euros. Mais franchement il est trop beau. Ensuite je me suis pris pas mal de tops et de shorts. Donc du coup je me suis pris un top bleu. Donc voilà, il est simple. Donc c'est du S et il a coûté 6 euros. Donc voilà. Après je me suis pris le même mais en noir. Donc voilà, le même prix et la même taille. Donc après je me suis pris un autre haut. Du coup c'est un top marron beige. Franchement il est trop beau, j'adore les couleurs. Et du coup bah, on l'a eu à moins 30%. Donc normalement bah, il était à 6 euros, mais je sais plus avec la remise il était du coup à combien. Mais c'est du S. Donc voilà. Et du coup il ira très bien avec ce short en jean beige. Donc voilà le short en jean beige. Et en fait avec le haut bah, il va rappeler les couleurs, la couleur de, des bretelles. Donc voilà, franchement j'adore cet ensemble. Du coup pour le short en jean c'est du 38, il a coûté 18 euros. Donc voilà. Et pour finir j'ai tout enlevé du sac, au moins bah, il n'y aura pas le bruit du sac qui va gêner. Et c'est les trois mêmes shorts. Du coup je l'ai pris bah, en noir, en bleu et en rose. Par contre l'arnaque, il n'y avait que le rose qui était soldé, qui avait que moins 30%. Il n'y avait que le rose et pas les autres. Mais bon c'est pas grave. Donc du coup voilà le rose. Franchement il est trop beau. Voilà le noir.
Et voilà le bleu. Du coup, bah, c'est tous du 36. Ils ont tous coûté 20 €, à part le rose qui a coûté moins cher. Donc voilà pour Jennifer. Et ah oui, j'allais oublier, je me suis aussi pris un deuxième haut de maillot de bain à Decathlon. Alors on a aussi un cordon qu'on peut enlever qui se met autour du cou pour pouvoir faire un maillot de bain bandeau. Donc voilà, aussi il y avait une petite promo dessus. Au lieu de 9 €, il était à 7 €. Donc voilà, ah oui, bien sûr, je me suis aussi pris des bas de maillot de bain. Alors par contre, je sais plus du tout où je l'ai mis, où je les ai mis. Donc du coup, bah, faut que je les retrouve. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour ce haul d'été. Et ah oui, tout à l'heure, je vous parlais pour les claquettes qu'on partait en vacances en Espagne. Donc oui, on y va du 6 juillet au 13 juillet. Donc c'est pour ça qu'il me fallait absolument des fringues d'été. Car là-bas, il va faire super chaud et super beau. Oui, c'est vrai. Donc on part bien en vacances donc en Espagne du 6 au 13 juillet. J'ai tellement hâte. Et là-bas, il va faire très très chaud. Alors clairement, l'été ici, c'est pas ouf. Hein. C'est un coup, il fait beau, un coup, il fait pas beau, pluie, froid. Donc clairement, les vêtements d'été ici, ils sont pas très utiles. Mais là, on en aura besoin. Oui. Bon, alors bien sûr, on va essayer de vous prendre avec nous le plus possible. Bien sûr que oui. Alors déjà le jour du départ je pense qu'on vous prendra avec nous. Mais alors sachant qu'on a notre avion à 7h du matin et qu'on doit être à l'aéroport 3h avant. Du coup à 4h du matin. C'est ça, donc ça va être dur mais on va essayer de vous prendre avec nous. Oui. On vous montrera aussi notre arrivée là-bas, donc notre hôtel, la chambre, la piscine et tout et tout. C'est pas une collab hein, je précise hein, c'est vraiment des vacances qu'on a payées nous-mêmes. Mais voilà, on va vous montrer quand même nos petites vacances. Bien sûr, on fera aussi la vidéo « Quoi dans ma valise ?» Voilà, Kélia fera aussi cette vidéo-là. Et après, on verra sur place ce qu'on peut faire comme vidéo. Oui. Après, on sera souvent à la piscine, à la plage, en maillot de bain. Et moi, je ne filme pas Kélia en maillot de bain. Donc, on verra aussi comment on fera. Oui. Et voilà, en tout cas, ça va être super cool. J'ai tellement trop hâte. Et voilà. Et je pense bah, que j'ai tout dit. Donc bah on peut terminer cette vidéo je pense. Donc je pense que la vidéo est terminée. Et la prochaine vidéo après celle-ci ce sera la vidéo où tu prépares ta valise. Ouais. Voilà. Du coup bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.